Salut les élèves, et bien maintenant que vous avez lu plusieurs fois, je pense, l'histoire de Tahoki, vous êtes prêts à répondre aux questions. Exercice 9, relis les phrases au bon dessin. Alors, j'observe les dessins. Ici, je vois des dauphins, le phare, et je relis chaque phrase au bon dessin. Il a de puissantes lumières, il est sur une île, ils suivent le bateau. Ils ont un aileron sur le dos. Donc, il faut retrouver de quoi je parle, si je parle des dauphins ou du phare. Exercice 10, coche la bonne case, soit vrai, soit faux. Donc, pour ça, il faut bien relire l'histoire. Lily écrit à ses parents, vrai ou faux. Le bateau passe à côté d'un phare, des baleines suivent le bateau. Hugo prend des photographies. À toi de jouer. Attention, c'est une croix par ligne, hein. Soit vrai, soit faux. Donc regarde bien tes lignes. Exercice 11. Écris une phrase pour répondre à la question. À qui cette lettre est-elle adressée? Alors, on va revoir la lettre. Coucou maman, coucou papa. Donc attention, je regarde en bas, qui a signé? Ben, c'est Hugo. Hugo écrit à qui? À son papa et à sa maman. Donc, vous trouvez la façon dont vous devrez répondre à cette question. À qui cette lettre est-elle adressée? Je dois retrouver les mots de la question. Cette lettre est adressée. Voilà. 12. Écris quelques phrases pour décrire l'image. Alors ça, c'est un travail personnel. Donc, vous pouvez faire un petit brouillon d'abord. Vous observez l'image et vous me faites un petit texte pour me raconter ce que vous voyez sur cette image. Attention, je respecte les lignes, je m'applique, j'écris proprement et ensuite, j'essaie de faire des phrases qui ont un sens. Il ne s'agit pas, je répète, de me recopier l'histoire. Il faut s'inspirer peut-être de l'histoire, parce que nous sommes quand même toujours à la mer, mais il faut faire vos propres phrases avec vos mots. Voilà, à tout de suite pour la correction.